Salut à tous, c'est la Légende X, j'espère que vous avez tous la pêche pour ma part, ça va nickel, j'ai vraiment la forme. Alors on est encore dans le ring de boxe pour cette incroyable ouverture de 100 boosters Pokémon XY3 points furieux que j'ai eu dans des displays et des duo packs chez Troll de Jeu. Donc le lien de ce site sera dans la description, je vous le recommande vraiment, allez acheter vos displays, duo packs, decks et toutes les nouveautés d'XY points furieux, donc le lien se trouve dans la description. En plus, dans la description sera présent le lien de mes ventes eBay avec des lots de cartes, des boosters, des cartes ultra rares, notamment de XY3 points furieux. Donc vraiment, lisez la description, il y a plein de choses. Et puis pour ceux n'ayant pas vu la première ou deuxième partie, les liens s'afficheront en ce moment. Et si vous voulez aller voir la quatrième partie, le lien s'affichera également sur votre écran. Donc je compte sur vous pour aller les voir si ce n'est pas encore fait. Allez, sans plus tarder, on va s'attaquer aux 25 boosters Pokémon d'aujourd'hui en espérant avoir des bonnes pioches, même des pioches de malade, et que la vidéo vous plaise un maximum. Si c'est le cas, et bah, n'oubliez pas de laisser un petit like, ça me fera hyper plaisir. Et on s'attaque à la troisième partie, donc aux 25 boosters suivants. Il nous en reste une cinquantaine. Les 25 pour la quatrième partie, comme vous avez vu, je les ai mis là-haut. Et c'est parti. Allez, je vous remonte quand même les 4 illustrations. Hein. Je vais faire ça, donc si je retrouve un Rexilus. Ok, donc là on a Mega Scarino, Brutalibré, Rexilus et Mega Lucario. Voilà. Allez, pour l'instant, je crois qu'on est aux alentours des 8 cartes ultra rares. Pas mal de cartes holographiques, 6 plus 8. On est à 14 cartes holographiques, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, au niveau des ultra rares, je l'ai déjà dit, donc on en a 8. Voilà, donc on commence avec un Gringolem, Soporifique, Melofée, Pikachu, Scrutella, Limaspid, Trousselin, Petit Ranidur, Cyderella en Rare Reverse, et oh punaise, Scarino EX dès le premier booster. Ok, bon, bah, dommage. J'ai déjà pêché cette EX là dans cette ouverture, même dans l'ouverture du display, donc je crois que je l'ai en 2 ou 3 fois. D'ailleurs, bon, bah, comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment, je mets toutes mes cartes doubles en vente sur mon eBay, donc allez checker, le lien est dans la description. Bon, ça fait quand même une belle carte EX dans le premier booster, c'est épique, mais malheureusement, je l'ai déjà. Enfin. Aussi, je prends le risque, hein, en ouvrant tant de boosters, d'avoir des cartes en plusieurs exemplaires, c'est normal, mais c'est pas trop grave. Allez hop, je vous donne le code online. 1, 2, 3, 1, 2, et on enchaîne avec un Magmar, Melofée, Flingouste, Pikachu, Scrutella, Entretien Dresseur, une énergie spéciale de type plante, un Vigoroth, Pikachu en commune reverse et Golemastock en rare. Ok, bon bah pas mal du tout. Le Pikachu en reverse, honnêtement, je l'adore. Tiens, hop, il est là en plus derrière. J'aime beaucoup Pikachu. Brutalibré, on enchaîne. 1, 2, 3, 1, 2. Qu'est-ce qu'on a là? Un Polarum, Ratentif, Evoli, Bagiguane, Negapi, Vibranymph, Deden, Journaliste des combats, d'accord, donc en peu commune, Mesmerella en peu commune reverse, et oh, une deuxième carte EX en 3 boosters, c'est vraiment ouf, Lucario EX en plus, waouh, pas mal, hein. Wow, celle-là elle est vraiment classe, c'est avec l'attaque Aurasphère, là il est en train de faire l'attaque Aurasphère, mais sinon il a d'autres attaques évidemment, donc Culbutopier, une attaque de 100, 180 PV, c'est la combattie de 54ème. Bon, moi j'aurais eu au moins un Lucario dans les 3 premières parties. J'avais pioché les Mega Lucario EX dans la première et deuxième, et en 2 fois. Et là, je pioche le Lucario. Hop. 1, 2, 3, 1, 2. On a un Chatiflore, Gringolem, Soporifique, Melofée, Pikachu, Total Soin, une énergie spéciale, donc au type combat, centre d'entraînement, Journaliste des combats en Pokémon Universe et Draskor en rare. Donc là on va arriver, bah, on a déjà passé plus de la moitié des 100 boosters, et je vous cache pas que j'ai une petite envie de piocher une secrète sur 100 boosters, donc si elle arrive, ça serait vraiment bien.
qu'elle passe dans cette troisième ou quatrième partie. Je commence à stresser un peu. J'aimerais bien au moins avoir une secrète sur son booster. Allez, Rapion, Kungfuin, Magmar, Escargoum, Chétiflore, Mélodelphe, une énergie spéciale, Pandespiègle, Fossile Mâchoire en Pokémon Reverse et Boreas en rare. Bon, déjà à 2 IX, c'est aucune carte holographique. 1, 2, 3, 1, 2. Qu'est-ce qu'on a là ? Un Makuhita, Rapion, Kungfuin, Magmar, Escargoum, Tetart, Machopper, Boostiflore, Makuhita en Common Reverse et Brutalibré en holographique. Ok, bon, bah pas mal. J'aurais bien aimé la plus chère en IX aussi, ça aurait été pas mal. Mais je me contente de cette holo. Hop. On a un Mélofée, Poussifeu, Pandespiègle, Machoke, Makuhita, Dresseur, donc échange d'énergie, Capoeira, collecte d'outils, Boostiflore en Pokémon Reverse et Dragmara en rare. Bon, des boosters normaux, on va dire. Rien d'exceptionnel. Pour l'instant, rien d'exceptionnel. Hein. Aucune. Ah, si, j'ai quand même pioché le Crapuscule EX Full Art dans la première partie. Sinon, il n'y a rien eu d'incroyable au niveau des EX Full Art et des secrètes. Donc, Chétiflore, Exelang, Sonistrel, Cracnois, Electek, Kikli, Cornelia. Ah, tiens, celle-là, je crois que je l'avais eu en Full Art aussi. Elle est pas mal. Tetart, Pikachu en Common Reverse et Dracolos EX. Ah, je m'y attendais pas du tout, celle-là. Ok, bon bah c'est vraiment la partie des IX, une pluie d'IX, déjà 3 là, waouh. Donc c'est la 74ème sur 111, 180 PV, Dracolos IX, pas mal du tout, avec Rafale Supersonique en attaque. Bon dommage, c'est pas la IX Full Art, on va dire que cette IX, bon bah c'est pas mal, mais j'aurais préféré l'avoir en IX Full Art. Mais je me contente de cela, donc on a ouvert peut-être 8-9 boosters, pas exactement. Déjà 3 ultras, même si ce ne sont que des simples IX, c'est vraiment pas mal. Allez hop, Balignon, Mélofée, Poussifeu, Pandespiègle, Machoke, Chercheur de Fossiles, Kikli, Cornelia, Flingoust en Common Reverse et Givrali en rare. Hop, là on continue avec un booster Brutalibré. 1, 2, 3, 1, 2. Donc, on a un Nevoli Ratentif, Escargoum, Negapi, Makuhita, Chaofuin. Désolé, j'essaie d'aller un peu vite parce que, bon, bah, si vous me suivez depuis les premiers boosters, vous devez avoir défilé exactement les mêmes communes et peu communes. Donc, Chaofuin, Kikli, Cornelia en. Donc là, c'est une peu commune dresseur, ok. Demeteros en Holographic Reverse et. Oh putain! Oh pardon! Oh punaise! Dracolos EX Full Art! Yes! Yes! C'est parfait! C'est parfait! Waouh! Le truc de malade! Oh putain, je suis en train de cracher sur ma caméra! Il y a plein de baves, désolé! Bon bah heureusement qu'elle protège les cartes, au moins elle est juste devant, donc la caméra est juste là. Là il y a la carte, donc ça va. Bon bah il y a plein de postillons sur la caméra, c'est un peu dégueulasse! Oh le truc de malade! Dracolos EX Full Art, les gens! 180 PV, 108ème sur 111! Je suis hyper content, honnêtement je la trouve beaucoup plus belle que la japonaise, je sais pas pourquoi. Elle est beaucoup plus belle que la japonaise tout simplement, c'est vraiment la deuxième EX Full Art que je voulais absolument piocher après le Lucario. Donc Lucario je l'ai déjà eu, donc maintenant c'était vraiment devenu ma priorité ce Dracolos EX Full Art. C'est parfait les gens, on est même pas à la moitié de l'ouverture, on enchaîne déjà 4 Ultra Art dont Dracolos EX Full Art, c'est un truc de fou les amis. Waouh, super super content, elle est hyper belle, vous pouvez la comparer avec la Dracolos EX, donc vous pouvez voir un Dracolos EX Full Art est beaucoup plus beau, même si le normal, bon bah il est pas mal, mais en Full Art il est sublime, sublime carte, ah je suis aux anges les amis, c'est un truc de fou, ah je suis trop content, allez on enchaîne avec un booster Exilius. Waouh, vraiment c'est parfait. Yes! Donc là, on a un Nevoli, Bagiguan, Negapi,
Flingouste, Balignon, Énergie Spéciale Combat, Coup de Langue, Amagara, Capoeira en Pokémon Reverse et Brazegali Holo. Pas mal, pas mal. Hop. On enchaîne. 1, 2, 3, 1, 2. Tracolo CX Full Art. Waouh. Ratentif, Evoli, Bagiguane, Negapi, Flingouste, Chaofouine, Fossile Mâchoire, Super Appel, Scrutella en Commune Reverse et Polagriffe en rare. Non, je rigole. Bon, bah, ça fait quand même une rare de plus, Polagriffe. Dis donc, je l'aurais eu pas mal de fois celui-là. Allez, on continue. Donc je vous donne les codes online si ça en intéresse. Flingouste, Pikachu, Scrutella, Machoke, Poussifeu, Limaspeed, Ring en Montagne, Tignon, Cracnoix. Donc là c'est une Commune Reverse. Et oh punaise, une autre Full Art Rechercheur de Fossiles. Oh, on enchaîne les ultra les amis. Donc là c'est vraiment un truc de ouf fou. 110ème sur 111, c'est la 5ème ultra des 25 boosters. Donc là ça nous fait un total de 13 ultra rares. Maintenant on est environ à 65 boosters. Ouais, c'est vraiment pas mal, pas mal. Chercheur de Fossiles en dresseur Full Art. Ouf. Ah, vraiment excellente ouverture. Bon, malheureusement, je crois qu'en plus, celui-là, je l'ai déjà pioché dans la deuxième partie. De toute façon, les dresseurs Full Art, je les ai toutes. Même en double, quasiment. Je crois que j'en ai deux. J'en ai deux fois deux en double et une que j'ai pas en double encore. Donc, allez, Escargot, Gringolem, Cracnoix, Negapi, Poussifeu, Total Soin, Énergie Spéciale, Centre d'Entraînement, Tyranidur en Pokémon Reverse et Polagriffe en rare. Encore ce Polagriffe. Hop, on continue avec Rexilius. Posipi, Petitard, Polarum, Escargot, Gringolem, Mélodelphe, Énergie spéciale, un pan d'espiègle, une énergie spéciale, donc là le type combat en reverse, et attention, Brutalibré holo. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. On continue. Hop, celui qui veut. 1, 2, 3, 1, 2, faut que je pense à les donner. Enfin, si je les donnais à chaque fois, ça me prendrait beaucoup plus de temps. Donc là, nous avons un Chétiflore, Kongfouine, Posipi, Petitard, Polarum, Tétarte, Machopper, Poustiflore, Gringolem en Commune Reverse et attention, Libégon en rare. Hop là. Kongfouine en Commune Reverse, Chétiflore. Qu'est-ce que je raconte? Kongfouine en Commune Reverse. Non, Kongfouine commune, Chétiflore, excusez-moi. Gringolem, Machoke, Posipi, Énergie spéciale, Trousselin, Échange d'énergie, Maconnière en holographique reverse, pas mal du tout, et Monaflémite holo. Donc ce qui nous fait deux cartes holographiques de 150 PV en un booster, ça c'est pas mal. Waouh, vraiment, elle envoie du lourd là, avec choc point attaque 120, pas mal. Hop. Il nous reste 6-7 boosters, je pense. Makuhita, Soporifique, Bagiguane, Chétiflore, Kongfouine, Échange d'énergie. Hop, Capoeira, Collecte d'outils, Pikachu en Common Reverse. Et attention, Scrutella en rare. Lucario. 1, 2, 3, 1, 2. On a là un Mélofée, Pikachu, Scrutella, Electek, Exelong, Raichu, Chaofouine, Tignon, Electek en Commune Reverse et Libégon en rare. Libégon. Méga Scarino. Chétiflore, Gringolem, Soporifique, Mélofée, Pikachu,
Cornelia s'entraîne en entraînement, Matt Chopper, Chaufouine en Pokémon Reverse, et attention, Tartar Holo, pas mal du tout. Même si les autres, je commence à les avoir en double, en triple, en quadruple, à force d'ouvrir des boosters. Mais bon, c'est pas grave, hein. Les rares aussi, et puis de toute façon, je mets tout en vente sur mon eBay. Evoli, Electek, Scrutella, Makuta, Excellente, Tétarte, Cornelia, Fossil Nageoire, Raichu en Pokémon Reverse, et attention, Bruivernolo. Ah, c'est bien, on enchaîne en plus les holos. Alors qu'on a eu 5 cartes ultra rares, je crois, on enchaîne les cartes holographiques, donc c'est pas mal du tout. Le Bruivern, très très stylé. Récalibré. 1, 2, 3, 1, 2. C'est parti avec un Magmar, Escargoum, Chétiflore, Gringolem, Soporifique, Mélodelphe, Chercheur de Fossiles, Capoeira, Super Appel en Pokémon Reverse et Golemastock en rare. Hop, on fait avec un booster Exilius. 1, 2, 3, 1, 2. On a un Sonistrel, Soporifique, Rattentif, Balignon, Mélofée, Échange d'énergie, Bagaïde, Fossile Nageoire, Escargoum en Common Reverse, attention, et Givrali en rare. Hop, deux petits boosters Exilius, et on aura fait les trois quarts de cette immense ouverture de 100 boosters. Donc de toute façon, j'aurais été très gâté pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je crois que on est à 13 ultra rares, je crois, je ne me rappelle plus, on a tellement eu d'ultra rares dans cette partie que je ne me rappelle plus si on en a eu 5 ou 6, mais il me semble que c'est 5. Hein. Kungfuin, Negapi, Chétiflore, Bagiguane, Polarum, Vibranymph, Deden, Ring en montagne, Polagriffe en rare reverse, encore ce Polagriffe, et Gamblast Holo. Ok, hop, le dernier booster. Oups, j'ai bougé un peu la caméra. Je vais la remettre parfaitement bien. Je suis désolé. Makuta, Rapion, Kungfuin, Magmar, Escargoum, Peignoir Scintillant, Chaofuin, Kikli, Mélofée en Common Reverse. Et attention, on termine avec un Maganon en rare. Ok, donc les amis, on va se retrouver tout de suite pour le récapitulatif. Avant ça, donc là, sont en train de s'afficher les liens de la première, de la deuxième partie de cette ouverture de 100 boosters si vous n'avez pas encore vu, ainsi que si vous voulez directement passer à la quatrième partie, donc les 25 derniers boosters, le lien sera aussi affiché. Donc choisissez votre partie ou sinon restez avec moi pour le récapitulatif. A tout de suite. Donc voici le récap de cette troisième partie de l'immense ouverture de 100 boosters Pokémon XY3 Point Furieux. Donc cette troisième partie aura été épique, j'ai pioché 5 cartes ultra rares, ce qui nous mène un total sur les 75 premiers boosters de 13 ultra rares, 4 dans les deux premières parties. Et au niveau des cartes holographiques, on a dépassé, je crois, les 20, donc c'est vraiment pas mal. Donc il nous reste 25 boosters à ouvrir, la quatrième partie sera mise en ligne très bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc on aura eu un Scarino EX, pas mal du tout, Dracolos EX, Chercheur de Fossiles en Dresseur Full Art, Dracolos EX Full Art, vraiment une pioche épique. Ça y est, je pense que maintenant j'ai eu toutes les cartes exactement qu'il me fallait. Maintenant sauf le Scarino Secret EX Mega. Donc j'aimerais bien d'ailleurs le piocher dans la dernière partie, ça serait vraiment sans booster parfait. Et Lucario EX. Voilà donc pour les 5 ultras. Ensuite au niveau des holos, on aura eu Tartar, Bruivern, Monaflémite, Brutalibré, Brazigali, Brutalibré et Gamblast. Ce qui nous fait 7 holographiques et 5 ultra rares dans cette troisième partie. C'est vraiment pas mal du tout. Donc comme je l'ai dit, les 25 boosters sont juste derrière. Si vous n'avez toujours pas vu d'ailleurs la première ou seconde partie, je vous spoil pas sur les cartes ultra rares que j'avais pioché, donc les liens de ces deux parties s'afficheront. Si vous souhaitez aller voir la quatrième partie dès à présent, le lien s'affiche en ce moment sur votre écran. Donc allez voir la quatrième partie une fois qu'elle sera mise en ligne. En plus, sachez que j'ai eu ces 100 boosters et toutes mes ouvertures de XY Point Furieux, donc les duopacks, les displays,
ses 100 boosters, les decks, tout ce que je vais vous ouvrir de xyrec.furieux, j'ai acheté ça chez Troll de jeu, donc le lien de cette boutique se trouve dans la description, je vous la recommande vraiment. Ensuite, bah, si vous demandez ce que je fais de mes cartes en double, car là j'ai déjà quasiment toutes ces cartes ultra en double, les holographiques, je les mets en vente sur mon eBay, donc le lien de mon eBay sera dans la description, il y a des lots de cartes, des cartes ultra à l'unité, des boosters, donc il y a pas mal de choses. Allez voir, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de la commenter, et on se retrouve très bientôt, ciao les gens.